Okay, guys, I'm gonna interview the guys who come to the French event, CFI, and I'm gonna start with Prashant. Hi. How are you? Everything's fine? I'm good, everything good. It's a nice place. Come on. And I'm gonna see the other guys there. Let's go. Je suis avec Alexandre. Oui. Hello. Comment ça va? Très bien. Alors, il paraît que tu viens juste d'arriver à Hong Kong. Oui. Tu es arrivé quand? Je viens d'arriver hier. Hier? Oui, hier. Et je remercie hier, Marc. Oui. Hier matin, en fait. Hier, c'est vendredi matin, oui. Ok. Oui. Là, c'est ma deuxième journée. Là. Et qu'est-ce que tu fais ici, là, à Lang Kwai Fong, Tai Tai Bar? Bah, écoute, je t'ai rencontré sur Facebook. Je me suis inscrit dans ton club sur Facebook et voilà, c'est grâce à Facebook que je t'ai connu et ce matin j'ai envoyé un message à Marc et tu m'as invité justement à cette soirée là et je te remercie beaucoup. Ça va, tu passes une bonne soirée? Un grand plaisir. Très bonne soirée. Ouais. Par contre tu bois que de l'eau, c'est pas bon ça? Je suis allergique à l'alcool. C'est vrai, je bois un petit peu, je deviens tout rouge tout de suite. Ah, tu es très asiatique. Je sais pas, mais voilà, pour moi personnellement, je ne réussis pas, voilà, ça me réussit pas. Alors dis-le tout, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Bah, Hong Kong, là pour l'instant, en fait, je viens pour un séjour touristique. Voilà, en fait, j'ai décidé de prendre une pause, une grande pause de 2-3 mois. Voilà. 2-3 mois. 2-3 mois. Donc, voilà. tu es en pause à Hong Kong pendant 2-3 mois. Voilà, en pause à Hong Kong et puis voir quelles sont les possibilités, tu vois, qui me seront voilà, voilà, offertes quoi, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu cherches comme possibilité? C'est quoi ton background? Là, en background, c'est que je suis dans le massage anti-âge depuis 10 ans, voilà, près de 10 ans. Je suis basé à Paris. Voilà, donc c'est en fait une méthode de thérapie anti-âge transformatrice. Ça s'appelle comme voilà. Ça, anti-âge, c'est le but du massage. Anti-âge, voilà. Moi j'en ai besoin, je vais bientôt avoir 40 ans. En fait, anti-âge, ça englobe, selon la médecine traditionnelle chinoise, ça englobe en fait tous les aspects de la vie d'une personne. C'est pas uniquement la beauté, tu vois. Voilà, j'aime bien parler d'anti-âge, pas beauté uniquement, parce que la beauté c'est uniquement le visage, d'accord, l'aspect esthétique. Mais l'anti-âge, en fait, ça couvre l'aspect esthétique, ça couvre nos émotions, la philosophie, la spiritualité, tu vois, notre manière de vivre en fait, hein, d'accord, tous les jours, qui crée des équilibres dans le corps et ce qui fait qu'on se sent bien, un coup on se sent bien, un coup on se sent pas bien, tu vois, et toutes ces émotions négatives en fait, ça impacte sur nos organes qui vont se refléter sur le visage en fait, voilà. Et donc, ma méthode, ça consiste à recréer, à redonner l'équilibre, d'accord, la circulation énergétique du corps, d'accord. Et voilà. Donc, voilà, c'est une méthode en fait qui agit aussi bien pour l'esthétique qu'au-delà. D'accord. Et donc, tu vas ouvrir ton propre cabinet à Hong Kong? Ouvrir le cabinet, pour l'instant, j'ai pas le moyen. Et je sais pas comment du tout ça. Bon là ça tu es en exploration ici. Pour voir si en tu peux pratiquer, si voilà. Tu peux trouver une clinique qui t'embauche voilà, ou si tu peux démarrer voilà. Ta propre activité par d'autres voilà. Moyens. Oui, voilà. D'accord. Donc, voilà. Alors pourquoi Hong Kong pourra faire ça à Paris par exemple? Tu viens d'où en France? Paris. D'accord. À Paris, c'est pas grave, j'ai mon cabinet, oui. Ouais, mais bon, personne n'est parfait parce que moi je suis. Ouais. Moi je viens de la plus belle ville de France, c'est Marseille, oui. Tu sais. Mmh. Oui, oui. C'est vrai, hein. Oui, j'adore Marseille. C'est mon parisien, c'est mon parisien. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu veux quitter Paris et venir à Hong Kong? En fait, Paris, ça fait plus de 40 ans que j'habite Paris, j'habite en France. Et là, j'ai envie de changer, quoi, tu vois. Ah, tu étais où avant d'être en France? Je suis né au Cambodge. Cambodge, d'accord. Là, au Cambodge, voilà. Et après la guerre, mes parents ont réussi à nous amener, faire venir en France. D'accord, et ça fait plus de 40 ans que j'habite Paris.
Et là, j'ai envie, à un moment donné, en fait, c'est grâce aussi, j'ai connu voilà, une personne, une amie. On a le droit de la mettre sur la vidéo. Ouais, voilà. Envoyé, hein. Alors, on va dire qu'on a le droit. Envoyé, le gars. Voilà, donc, j'ai rencontré mon amie hongkongaise, et voilà. Et donc, là, pour cette fois-ci, c'est l'occasion de venir la rendre visite, et puis voir s'il y a des opportunités pour moi. Donc c'est pour raison personnelle, on va dire que tu as envie d'être à Hong Kong. Voilà, ouais. Bon après elle pourrait venir en France, elle a aussi pas envie de vivre en France. Bah pour l'instant en fait la France, elle adore la France mais c'est qu'il fait trop froid là-bas. Il fait trop froid. D'accord. Elle aime c'est pas la seule le... raison. Demande-lui, demande-lui. Elle veut pas vivre en France. Ma nature est sans pas là tu. Pas de corps. Oh, wow. You wanna live in France? Do you want? Peut-être en été. Que l'été? You want? Attends, want attends sa réponse. Yeah. Elle est trop timide. Tout dépend avec qui. Tout dépend avec qui? Ouais. Elle veut pas trop voir trop de racailles en France. Non, je... non ok, donc parce qu'il fait trop, froid. Pour l'instant, voilà. Bon, ok, très bien. On te souhaite un bon séjour à Hong Kong. Merci beaucoup, Marc. Alors, si les gens veulent tester, parler de ta méthode, parce que bon, voilà, tu es là, tu es un touriste, ils te contactent comment? Ils peuvent me contacter via mon site internet. Non, pas site internet, via WhatsApp. Mais ils peuvent aller dans mon site internet déjà. Parce que en ce moment, enfin, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier. Et j'ai mon cabinet à Paris, là à côté de l'Opéra, Opéra Garnier. Là, et Mais là, il est fermé le cabinet ou il y a des gens qui travaillent pour toi? Non, j'ai fermé. Ouais. J'ai fermé en fait. Voilà, je voulais pas trop de problèmes. Pendant 2-3 mois. Voilà, pendant 3 mois. Voilà. 2-3 mois, voilà, tout le temps. Et voilà. Donc, en fait, c'est une méthode vraiment particulière. Il y a quelqu'un qui l'appelle ta copine. Voilà. Voilà. Ma méthode, en fait, c'est une méthode vraiment particulière. J'ai beaucoup de clientèle étrangère, d'accord, qui viennent, en fait, qui voyagent beaucoup en Asie et disent qu'en fait, même en Asie, cette méthode-là n'existe pas. Tu vois. Alors, la méthode, c'est quoi? C'est du Tuina, c'est du massage en fait, japonais? Est-ce qu'il y a un nom? Voilà, j'ai démarré avec la méthode japonaise qui s'appelle le Kobido. 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 K-O-B-I-D-O. Là, qui est un massage énergétique, esthétique, d'accord. En fait, le Kobido est basé sur les principes de la médecine chinoise, qui est la médecine japonaise, hein, c'est la même chose. Hein. Mais en fait, le maître n'a jamais enseigné ces principes-là. C'est juste des massages esthétiques, à visée esthétique. Et donc, en ce temps-là, j'apprends la médecine chinoise en même temps. Et donc, j'ai compris le principe. C'est là que, après, par la suite, j'ai créé ma propre méthode. C'est une méthode intégrative où j'utilise les différentes techniques pratiques de la médecine chinoise, basant sur ces principes, ces grands principes. Et voilà, c'est une approche vraiment globale, quoi, holistique, globale, qui touche en fait toutes les dimensions de l'être. Ça agit jusque dans l'émotionnel, le mental, ça éclaircit les pensées, la dépression. C'est l'ostéopathie du massage. L'ostéopathie, en fait, j'agis pas encore sur le... Enfin, j'agis parfois aussi sur les os crâniens, la tête, voilà. D'accord, oui, je veux dire, dans le principe, c'est-à-dire chercher la source du problème. Voilà, ça, voilà. C'est ça, voilà. Je travaille pas sur le corps, les os, tout ça, mais... Voilà. Le principe de chercher la source du problème source, au niveau du visage. Voilà exactement. Voilà. Très bien. Et en tout cas, tu as une bonne réussite dans ce projet. Merci beaucoup. Il y a mon... Voilà, comment on peut dire... contacter, en fait. Voilà, si vous voulez contacter, vous contactez le CFI, vous contactez, je vous mets en contact avec Alexandre. En fait, voilà, Alexandre Tang, ou alors passer par le site de Marc. Voilà, Marc, il aura mon contact. On pourrait faire une séance spéciale CFI de massage. Oui. Okay, on va réfléchir comment faire ça. À plus tard. À plus tard. Merci. Merci Marc. Ok, I'm again with Chongha. How are you, Chongha? I'm good, thank you. What are you doing here tonight? I want to meet some people, and also I want to, you know, network. Okay, where are you from? I'm from South Korea. Okay. Do you speak French? I wish. Yeah, I want to learn. Say something in French. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, is it? Bonsoir. Bonsoir. Oh, very nice. Thank you. How's life in Hong Kong? It's getting better. Yeah.
So I am hopeful in 2024. Is it gonna be a good year? Definitely, yes. We'll all try hard and it will be successful. Everyone will be successful. Yeah. That's thank my you wish. For being here. Yeah, thank you. Bon les amis, je suis avec Nathan. C'est intéressant, il vient d'arriver à Hong Kong. Enfin, ouais. Il vient pas d'arriver. Tu viens d'arriver à Hong Kong ou pas? Ça fait une semaine que je suis arrivé. Mais j'étais déjà là l'année dernière. Qu'est-ce que tu faisais l'année dernière? Qu'est-ce que tu fais là maintenant cette fois? Alors, c'est très compliqué. Bah, j'ai juste fait une école d'ingénieur. Et, et je devais faire un stage à l'étranger. J'ai eu l'opportunité de faire un stage à Hong Kong. J'ai dit oui direct. C'était bien? Et ouais, c'était génial. Du coup, ce stage, c'était l'année dernière. Et du coup, j'ai juste kiffé. Et on m'a proposé l'opportunité de rester là. Et j'ai dit oui direct. Et donc, je suis revenu, ça fait une semaine. Et donc, tu as déjà un job, tu bosses pour la même boîte? Je bosse pour la même boîte. Là c'est je suis en VIE. Donc, si c'est un blog français, vous connaisserez peut-être. C'est une mission spécifique où on nous envoie. Donc, c'est un an et puis après, je vais essayer de rester. Quoi. Ouais, c'est vraiment un bon moyen pour s'expatrier en Hong Kong. C'est ça, exactement. C'est ça. Et donc là, c'est un an renouvelable. Non, ça va être. En fait, VIE, c'est une mission spécifique. Et après, je montre mes compétences. Et après, enfin, une fois que j'aurai réussi ma mission, bah, c'est sûr qu'ils vont me proposer un job. Normalement, c'est un choix pour entrer dans l'entreprise. Ah, oui, bah, ils peuvent le considérer comme ça, mais en fait, là, c'est un an de VIE. C'est parce ça. C'est 2 ans max. C'est 2 ans max. Oui, ah, voilà, parce que moi, j'ai fait un VIE en Angleterre. Ah, bah voilà. Okay, j'ai fait un an de contrat et après, ils m'ont renouvelé. Ah, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Si on peut renouveler, mais si la mission est terminée, si je l'ai réussi. Ouais, voilà. Il vaut mieux être pris en contrat local. C'est ça, avec un gros salaire. C'est ça. Parce que VIE, ça gagne pas beaucoup non plus. Ça gagne bien, mais ça gagne bien. Ouais, mais c'est pas. C'est un bon début, quoi. C'est ça, c'est ce que je me dis. Et donc voilà, et donc maintenant je suis à Hong Kong, c'est juste génial. Bon, j'aime la vie. Aux Français qui nous regardent, là, qui sont en France, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que la vie est bien à Hong Kong? Alors moi, donc je suis de Strasbourg. Donc, Strasbourg, ouais. L'Alsace, c'est beau. Ah ouais, c'est très très beau. Donc, bon, c'est une grande ville, mais pas une aussi grande ville que ça. J'ai vécu quelques temps à Paris. J'ai pas trop aimé Paris. Pourquoi? Parce que, alors là, il y a quelques différences. C'est que, je me sentais vraiment pas en sécurité. À Paris, à chaque fois que je prenais le métro, à chaque fois ils disaient oui, faites attention à vos bagages, ne prenez pas tout. C'était sale, les gens n'étaient pas. Voilà, il n'y avait pas de respect. Et depuis que je suis arrivé à Hong Kong, c'est vraiment une différence vraiment énorme. D'accord, c'est que ça t'a choqué dès que tu es arrivé? Ça m'a choqué vraiment, vraiment, ça m'a vraiment choqué. C'est que là-bas, il y a une sorte de. Je me sens en sécurité. C'est-à-dire que je me balade dans la rue avec mon portefeuille dans la poche, j'ai pas peur. J'avais quand même une certaine appréhension parce que je connaissais pas. J'étais de Strasbourg, donc vraiment loin, loin, loin. Première fois que j'allais autre part, vraiment pour travailler, quoi. C'était très difficile. Mais après, je me suis mis dans le bain. Et ce qui est très bien aussi à Hong Kong, c'est tout ce qui est, en fait, tu peux te rattacher parce qu'il y a beaucoup d'expats. Et en fait, c'est par exemple, tu vas en soirée, bah, comme là par exemple. Tu ne te sens pas perdu. Tu ne te sens pas perdu, c'est qu'en fait là. Et puis, la culture que tu connais personne, etc. C'est ça, exactement. Là, tu viens une soirée, tu fais plein de potes. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on a l'image que voilà, le cantonais, parce qu'il parle cantonais ici, mais ou le mandarin, très difficile, tu ne peux pas les comprendre. Tu vois, c'est vraiment difficile, tu te dis, oh, t'as peur. Même l'écriture, tu ne comprends rien. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas l'écriture qu'on a chez nous. Pour toi, l'Alsacien qui ne parle pas du tout chinois, c'est tu ça. Peux quand même passer exactement, bien vivre en Hong Kong. Voilà, tout le monde parle anglais, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde parle anglais. T'es pas perdu. Bon, faut avoir son petit niveau en anglais, bien sûr. Ouais. Tu peux pas arriver, mais là, par exemple, là, on est dans un regroupement, bah, grâce à toi, Marc. On est dans un regroupement français, donc là, on parle un peu français, c'est plus facile, mais il n'y a pas de souci, tout le monde parle anglais. Donc là, je me suis senti un peu plus safe, un peu plus, tu vois, pas moins perdu. Et au fil du temps, j'ai rencontré plein de personnes, tout le monde est gentil, les personnes avec qui je travaille. Même s'il faut faire attention, c'est que c'est vraiment une culture différente. Donc au niveau boulot, il faut le prendre différemment. Ah, ça veut dire quoi une culture différente? C'est que ça bosse beaucoup, quoi. C'est déjà un, ça bosse beaucoup et la relation au boulot est différente. C'est-à-dire que je prends, enfin, moi de mon ressenti, hein, je parle de mon ressenti, mais c'est en France, on exprime beaucoup ses sentiments. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas au machin, on agit un peu par là, c'est plus conservateur, il y a plus de pudeur, c'est ça? C'est ça. C'est plus, voilà, c'est plus réservé, c'est plus. Mais après, une fois que tu les connais, une fois que c'est très bien. Mais c'est un peu plus conservateur. Mais toi, tu es dans une boîte française? Je suis dans une boîte donc française. Donc tes boss sont français, donc c'est la même culture? Eh ben non, parce qu'en fait, là, l'esprit de l'entreprise, c'est que vraiment, que ce soit local. Donc voilà, que le client soit en lien avec quelqu'un de local, ce soit plus facile. Donc là, on essaie de. Enfin, tout est local là-bas. Par exemple, dans là où je travaille, il n'y a aucune personne française ou aucune personne internationale. Et ton boss, il est français? Il n'est pas français? Non, il n'est pas français. D'accord. Il est local.
Donc ça se passe bien quand même. Mais oui, parce qu'ils parlent tous anglais. Ouais. Donc en fait, j'arrive à m'exprimer. C'est vraiment très sympa. Il y a vraiment une bonne entente et tout. Et après, bon, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise française. Donc il y a les valeurs un peu françaises sont imposées aussi un peu. Il y a un peu cette culture un peu. Donc c'est un vraiment peu une double culture en fait. C'est ça, c'est vraiment une double culture. C'est très très bien. Et par exemple, moi je suis, donc je sais pas si tu as déjà présenté Hong Kong, mais là tu as l'île principale. Et moi je suis vraiment dans le nord. Ah, t'habites où ? New Territories, donc les nouveaux territoires. D'accord, où ça exactement ? Yuenlong. Yuenlong ? Ouais. Oh purée, tiens, parfait. Pourquoi tu as habité là-bas ? Pourquoi tu choisis là-bas ? Bah, parce qu'en fait l'entreprise, elle a une entreprise, elle a une usine là-bas, et elle a le centre financier là. Bon, ça a du sens alors. C'est ça, et moi comme je suis ingénieur, je suis à l'usine pour l'instant. D'accord. Mais mon objectif, c'est de rentrer là, mais okay. j'ai vraiment là, c'est vraiment une très très bonne nouvelle d'être en Hong Kong. En tout cas, t'es content à Hong Kong, ouais, c'est génial. Les Français qui nous regardent de France, ils leur disent allez-y, foncez, venez à Hong Kong. Foncez directement, c'est génial. C'est une nouvelle, en plus, c'est une ouverture d'esprit assez impressionnante. C'est que dans un autre pays, vraiment à 7 heures de décalage de France, ça parle pas du tout français, c'est vraiment une culture différente. On est vraiment dépaysé. On est vraiment dépaysé. Et ça, j'ai tellement gagné en maturité que voilà. Et je compte rester. Super. Mais bienvenue. Bah, merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Merci beaucoup. Ok, guys, I'm here with Talos. Comment ça va, Talos ? Salut. C'est bien. Okay. Ça va. Alors, Talos is a Hong Kong guy who speaks very good French. N'est-ce pas ? Assez couramment. Oui, j'ai étudié le français il y a 9 ans. Depuis 9 ans. Ah ouais, depuis 9 ans. Alors comment tu as appris le français ? Bon, il y a vraiment beaucoup de manières que j'ai étudié le français. Par exemple, la classe d'Alliance française, aussi la classe en ligne, et aussi comme il était un programme d'échange à la France pendant 4 mois. Après, le programme d'échange universitaire ? Ah oui ? Tu étais à quelle université en France ? Sciences Po, dans le campus de Reims. Sciences Po, Reims. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais Sciences Po, il y a un campus à Reims. D'accord. Pourquoi Sciences Po, tu t'intéresses à la politique ? Parce que j'ai étudié les sciences sociales et le Sciences Po, c'était très populaire pour ça. D'accord. Alors, tu fais quoi en tant que membre du CFI et aux événements CFI, tu as envie de pratiquer le français, c'est ça ? Oui, parce que même si j'étudie le français aussi longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses pour moi à pratiquer et que vraiment utiliser le français dans la situation réelle et échanger avec les Françaises, parce que pour moi c'est pas juste une langue, c'est aussi la culture, l'interaction avec les personnes, c'est plus important que juste la langue. Ouais, donc c'est le réseau, les amis, le business, la connexion, toutes les choses. D'accord. Est-ce que c'est quoi ta ville laquelle ta ville préférée en France? Ta ville préférée, Paris ou une autre? Mais en fait, c'est pas le Paris. En fait, c'est pas Paris. Il y a deux villes que je peux commenter. C'est la première, la ville que je pense que c'est plus belle, c'est le Bordeaux. Ben non, c'est Marseille. Moi, c'est le Bordeaux. Pourquoi Bordeaux l'architecture, les rues. L'architecture, l'ambiance. Je pense que dans le sud de la France, il y a beaucoup de villes qui est plus. Comment dire, plus. Agréable à vivre. Agréable et le style de vie. Pas sombre. Les vies pas sombres. Comme dans ce lomi, un peu plus énergétique. D'accord, oui. Plus dynamique. Plus dynamique, ça. Oui, c'est bon de dire ça. Et aussi, mais pour moi, peut-être parce que j'ai mangé beaucoup, donc pour moi, ma bébé à la France, c'est Lyon. Lyon, gastronomie. Le bouchon lyonnais. On mange bien à Lyon. Ah ouais, pour moi c'est ça. Parce que tu manges beaucoup, pour moi c'est le Lyon. D'accord. Très bien, c'est quand tu vas en France la prochaine fois ? Cet été ? Je sais pas quand, mais je souhaite toujours. Le plus possible. Ah ouais.
Mais ouais, ouais, parce que pour moi, que le France, il y a encore beaucoup de choses pour moi à découvrir, aussi. Il y a des gens, les coutumes qui me manquent à la France, comme la famille que j'ai sélectionné avec pendant mon programme d'échange à Reims, même si j'ai, en fait, que j'aime pas beaucoup le Reims, le pays de soi-même, mais oui, la mémoire là-bas, oui, c'est génial. Ok, très bien. Bon, mais j'espère qu'on y retournera bientôt. Ouais. Merci d'être là. Merci. C'est sympa de parler avec des Congolais qui parlent bien français. Merci beaucoup. We are now with Nathan. Coucou. Thanos. Salut. Je me tire. Je me demande pourquoi je suis parti sans mon tir. Parfois, je sens mon corps qui s'endurcit. Cette personne dit me brûle ma triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah, pas que la vie d'artiste. Je sais que ça fait que j'ai chronométrie possible. Mais je veux dire juste pour la rime. Je me dis, non, on doit, je ne suis pas suspect. Après, je change dans le casus clé. C'est fini. Merci beaucoup. Very nice, very nice. Alors, Annie, you are Chinese. Tu es chinoise, tu parles ouais. Français. Ouais. Pourquoi tu aimes Maître Gims? C'est bien Maître Gims. Il y a un style. Le style. Il y a un. Ouais. C'est le moyen de vie, je pense. Très bien. Ouais. Quelle autre chanson tu aimes? Quelle chanson? Quelle autre? Alors, Necfeu. Toutes les choses de Stromae. Ok, ouais. Très bien. Je sais pas, tu dois me dire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais la musique, la variété française du Aznavour, Patrick Bruel? Non, malheureusement non, mais j'espère que on va étudier ça, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, prochaine fois, une prochaine fois. Merci Annie. Merci. Bye bye. On est maintenant, voilà, toujours en terrasse du Tai Tai Bar. Et je suis avec Romain qui vient tout juste d'arriver à Hong Kong il y a une semaine. Hello, hello, how are you? Yes. Good. I'm back to you. I'm interviewing this new French guy. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Romain. Ok, Romain, dis-nous tout. Que fais-tu de beau à Hong Kong? Et depuis combien de temps es-tu là? Ok, donc bah, ça fait une semaine que je suis là. Je viens tout juste d'arriver, tout frais, depuis dimanche. Une semaine? Ouais. Et donc, je viens pour le travail. Donc. En tant qu'ingénieur amélioration continue pour le groupe Saint-Gobain. Content de pouvoir découvrir Hong Kong, d'être à Centrale ce soir, c'est génial. C'est pas la première fois que tu sors à Hong Kong là. Si. C'est la première fois que tu sors? Ah, depuis une semaine, t'avais quoi? T'as bossé, bossé, bossé? Ouais, c'est ça. Bon, pendant une semaine là, histoire de se remettre de l'avion, commencer à travailler, s'adapter à la nouvelle vie au travail à Hong Kong. Et puis bah, comme on n'est pas vraiment de centrale, on est un peu décentralisé, comme on est dans les nouveaux territoires. Donc si tu habites à Perpète là-bas? Ouais, à Tin Chuan. Wenlong. Ouais, Wenlong. J'ai pas envie de déformer. Désolé pour nos amis cantonais hongkongais. C'est normal, tu es arrivé. Très bien. Alors tu passes une bonne soirée? Bah oui, c'est très intéressant, on découvre plein de gens. Je vois qu'il y a des Français et des francophones, donc ça permet d'échanger avec des gens qui ont des cultures différentes, mais qui parlent français. Et puis là, je vois qu'on jongle entre l'anglais, le français. Je vois qu'il y a quelques mots en cantonais qui sortent. Ouais. Non, ça fait plaisir. Ça permet au moins de remplir un de mes objectifs qui était d'être dépaysé, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. Donc, ouais, tu es là, tu es dans une soirée, tu rencontres de tout, des Français avec qui voilà, tu t'entends, tu comprends, mais aussi tu es un peu. Tu touches à la culture locale, tu rencontres des Hongkongais, et c'est le but du Club France International. Quoi. Très bien. Et dis-nous tout, tu es là depuis une semaine, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Tu as demandé un job ici, t'as envoyé là, c'est eux qui t'ont proposé, tu es venu. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici à Hong Kong? Ouais, bah, c'est vraiment une opportunité professionnelle. C'est que moi, au départ, j'étais en train de commencer à chercher un CDI après une mission que j'avais eue en Suisse, en France donc. Et un jour, je reçois un message sur ma boîte mail en me disant, bah, écoute Romain, est-ce que tu serais intéressé par une mission à Hong Kong? Au départ, ça me paraît un peu irréel parce que c'était vraiment inattendu et je me suis dit, bon, je peux pas dire non, c'est l'opportunité d'une vie, il faut y aller. D'accord. Et donc, ben... Je vais mettre là de ce côté, ça va peut-être mieux. Ouais, comme tu tournes la tête là, hop. Parfait. Donc, voilà, c'est vraiment ça en fait que j'ai eu cette opportunité là et je l'ai saisie et je
me suis dit que de toute façon, il fallait partir à l'aventure. Tu n'as pas eu peur, tu t'es pas dit c'est loin, etc. Parce que est-ce que tu es déjà venu ici avant? Non, pas du tout, j'étais jamais venu. Peur, non, j'ai commencé à voyager dans d'autres pays, tout ça. Peur, je pense pas. Peut-être des appréhensions, ouais, parce que ça reste une culture qui est très différente. C'est la première fois pour moi en Asie. Première fois en Asie. Ouais. Tu n'es pas venu en voyage 2 semaines au Vietnam, non. Donc la première fois que tu viens en Asie, c'est pour t'expatrier, pour ton job. Ouais. Et tu as dit oui comme ça là. Même pas peur. Non, la vie c'est des opportunités pour les saisir, faut sauter. D'accord. Je pense qu'il faut se jeter dans le grand bain pour découvrir le vrai monde. Et je pense que je pourrais jamais mieux accrocher à la culture hongkongaise que de venir travailler. Dans la boîte, on a des gens, c'est des purs hongkongais. Quand on est dans les bureaux, ils parlent entre eux en hongkongais. En cantonais. Donc ouais, c'est un changement radical. La dernière fois, ils nous ont amené au restaurant, ils nous ont vraiment fait découvrir la culture. C'est bien parce qu'il y a un vrai échange, à la fois dans le travail, parce que moi je leur apporte une expertise qu'ils ont peut-être pas ici, et qui est un besoin qu'ils avaient, parce que sinon ils n'auraient jamais ouvert le poste. Et derrière ça, moi j'échange de ma culture, et j'attends de même qu'ils échangent de leur culture. Et je trouve ça ultra positif. Parce que tu as vraiment cette envie qu'on a tous pour l'instant, ça fait qu'une semaine, mais on a tous vraiment envie d'apprendre plus des uns des autres. Et je trouve que ça permet de créer une cohésion dans le groupe, quelque chose qui est vraiment fort. Alors moi j'ai souvent des Français qui me contactent sur internet et qui disent ouais mais ils veulent bien s'expatrier, mais peut-être c'est mieux en Europe parce que c'est la même culture, l'Asie c'est un autre monde peut-être. Ils ont peut-être peur d'aller en Asie et peut-être ils se disent ils parlent pas chinois, est-ce que ça va marcher toi, tu parles pas chinois? Non. Donc qu'est-ce que tu peux leur dire, ton témoignage, c'est quoi? Tu t'acclimates, est-ce que il n'y a pas de racisme anti-français, etc. Tu es bien accueilli ici, tu es content, tu es bien là. Je suis bien accueilli. Et je suis bien accueilli, il n'y a pas de soucis. C'est l'Asie, mais c'est des pays civilisés. Quoi. Tu pars pas au milieu de nulle part, c'est pas comme si tu étais au milieu de la forêt amazonienne ou. Ça reste une grande ville, 8 millions d'habitants, théâtre central, c'est très occidentalisé. Alors c'est sûr qu'il y a d'autres pays d'Asie, je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus d'appréhension, mais non, Hong Kong, j'avais vraiment confiance. C'est quoi ta première impression de Hong Kong? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu? C'est un petit territoire, mais c'est gigantesque. Tout est en hauteur. Hein. C'est... Ah, les gratte-ciels, ouais. Tous les bâtiments sont très hauts. Sorti de l'aéroport, premier truc que j'ai vu, c'est tous les gratte-ciels j'ai fait. Ah ouais, alors là j'y suis vraiment quoi. Toutes les photos que j'avais vues, avec une petite brume en plus, j'avais vraiment l'impression de la petite carte postale. Quand je suis arrivé, je me suis dit ok, c'est la vraie vie. Non, franchement c'est super positif. Qu'est-ce qui vient ici que tu n'as peut-être pas en France? Qu'est-ce qui vient ici que j'aurais pas en France? Moi ici je trouve que tout est accessible. Je trouve que vraiment tout est accessible. Bah, moi je venais d'une petite campagne. Tu es d'où en France d'ailleurs? Bah, je venais de Lille, mais pas vraiment Lille, j'étais plus dans la périphérie, donc il fallait une demi-heure pour monter sur Lille. Donc c'est pas vraiment la campagne, mais c'est pas la grande ville non plus. Là t'es vraiment dans une grande ville, la moindre chose est à portée de main. Je sors de mon logement, j'ai 2 centres commerciaux à 50 mètres. Ouvert le dimanche. Avec toi à proximité. Ouais, c'est tu peux tout faire en transport, t'as pas besoin de ta voiture. Je trouve que c'est un confort de vie qui est un peu différent. Faut juste s'adapter à la grande ville. Quoi. Donc là, il y a des Français là en France qui hésitent à chercher un job ou même à confirmer un job qu'ils ont obtenu, une proposition à Hong Kong. Qu'est-ce que tu leur dis? Fonce, vas-y, réfléchis, tu leur dis quoi? Ouais, faut y aller, faut tenter. Faut tenter l'aventure. Qui ne tente rien n'a rien de toute façon. Pour moi, je trouve que c'est ultra positif. C'est une expérience d'une vie. Si on a vraiment cette opportunité-là, il faut la saisir. Après, voilà, il y a les gens qui sont plus. Qui ont plus d'appréhension, qui ont plus de doutes. Il faut qu'ils prennent leur temps aussi de répondre à leurs questions. Après, voilà, c'est ça qui est bien aussi avec ce que tu fais, c'est qu'avec des groupes de Français comme ça, s'ils ont des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent à partager leurs questions, leurs interrogations. Il y a un réseau, il y a une communauté pour aider si besoin. On n'est pas là pour rester toujours en français, mais s'il y a besoin, on sait qu'il y a des gens là avec qui on peut parler. C'est ça qui est bien avec les communautés, c'est que si tu as besoin de te rattacher à quelque chose, parce que tu as un doute, tu as une question, il ne faut pas hésiter. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas être H24 tous ensemble, 7 jours sur 7, parce que sinon tu casses un peu ce que tu viens chercher en fait ici. Parce que sinon... T'es dépaysé. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu venais ici et que tous les matins tu mangeais un croissant et un petit pain. C'est,
Bah, pour faire ça, autant rester en France, je pense. Ouais. Mais que tu le fasses de temps en temps, parce que t'as le goût de la nostalgie ou du pays. De toute façon, on l'a toujours, hein, mais c'est l'important, c'est pour moi en tout cas, mon point de vue, c'est le voyage, c'est la découverte d'autres choses. Donc moi, je ne le sauterai pas. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais, j'ai rien à dire. Mais merci pour ton témoignage. Merci à toi. Et bonne mission.